Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous lire un poème d'un ami qui s'appelle David et qui m'a apporté l'autre jour un recueil d'un auteur que je ne connaissais pas et qui m'a apporté du même coup deux textes qu'il avait écrits lui. Et il me les a lus et je les ai beaucoup aimés. Alors je lui ai demandé la permission de pouvoir vous lire un de ces deux poèmes qu'il avait écrits. Et donc voilà, je te remercie David pour ce poème que j'aime beaucoup et qui parle d'une rivière. Et je me suis dit que comme la journée était placée sous le signe de l'eau et de la pluie, que c'était le bon moment. Alors voilà, je vous le lis. Regarde la rivière. Elle est presque comme toi. Elle court entre les rochers à la recherche du reflet du ciel. Toujours en mouvement, toujours entraînée. Elle gonfle les jours de pluie et devient mate et sombre. Elle croit qu'elle ne cessera jamais de s'écouler. Elle embrasse les corps qui dérivent au gré du courant. Elle murmure, l'un au courant de l'autre. Et les racines dansent en flottant. Regarde cette rivière. Elle s'évade entre tes jambes. Tu crois qu'elle t'emporte alors qu'elle te caresse pour que tu te sentes vivant. J'aime beaucoup ce poème. Et ça me fait penser au mouvement de la vie, tout simplement. Ça me parle au regard de la période qui est en train de se produire pour nous. Voilà. Eh bien, je mettrai le lien un peu vers son travail en commentaire à cette vidéo. Encore une fois, je te remercie. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, bon 1er mai qui s'est passé hier. Et je vous dis à lundi avec normalement une prochaine vidéo sur l'hypnose cette fois-ci, l'hypnose et le changement. Voilà. Au revoir!